Yo les potes, c'est ce qu'on se trouve pour une nouvelle vidéo. Petite présentation de ma map Exit. Juste avant, j'avais tourné la vidéo, j'avais déjà commencé, j'étais à la moitié de la map et j'ai bien parlé, etc. Malheureusement, vous ne la verrez jamais parce que j'avais mis une limite de temps sur la map de 5 minutes, donc c'est pour ça que ça s'est coupé. Et c'est extrêmement chiant. Donc voilà, j'ai remis limite de temps aucune. Hein. La map en plus, elle est déjà publiée. Je sais pas si je dois la republier parce que je viens de changer du coup la limite de temps, etc. Mais bon, juste avant, la map Prince Tournament n'est pas encore finie. Si vous voulez la faire, vous pouvez. Et donc là, on est sur la deuxième. Hashtag NSQ Tournament. Hop, vous savez comment ça s'écrit. Et donc, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Je vais vous présenter la map. Je mets pas le timer. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire avant? Le code est là dans la description. Pour le cash prize, on verra, les gars. On se prend pas la tête. Donc c'est parti. Hop, vous activez le timer. Vous avez 10 minutes. C'est extrêmement beaucoup. Pour la map, elle est pas très longue. Hop, double edit, comme vous voulez, vous éditez. Et là, on se retourne directement. J'ai fait exprès de le mettre là au lieu de là-bas. Vous pouvez venir directement là, hop, comme ça vous pouvez tomber. Mais si vous voulez, hop, ici c'est beaucoup plus rapide, hop, et voilà. Donc là, double edit, comme vous voulez, sur 3, sur 1, sur 2, je m'en fiche. Ici, vous réinitialisez, vous faites ça, enfin vous connaissez. Pareil, vous éditez comme vous voulez, les gars, je m'en fiche complètement. Donc il y a deux chemins, les deux chemins c'est la même chose, regardez, hop, c'est pareil, je vous montre, hop, c'est pareil, sauf bémol, c'est que si vous passez par là, vous pouvez directement descendre, hop, double edit, et si vous passez par là, il faut sauter ici la petite barrière, et vous tombez, pas besoin de descendre les escaliers, en gros. Donc voilà, vous passez où vous voulez, ici, pareil qu'en haut, hop, ici encore pareil, vous hésitez sur 3, sur 1, sur... Je m'en fiche. On arrive là. Regardez, d'ailleurs, vous pouvez glisser toutes ces épreuves. Vous pouvez sauter, machin. Mais si vous faites ça, ben, ça sera pas comptabilisé, le record, évidemment. Hop, on édite comme on veut. Ici, très important, vous devez faire ça ou ça. Ça sert à rien, mais vous le faites quand même. Vous ne devez pas y aller directement, vous faites ça. Vous le faites pas comme ça, hein. Soyez pas débile, vous le faites pas en arrière. Vous faites pas ça, vous faites juste ça, hop. Double édite, hop, pareil le mur. On descend. On arrive là. Et là, c'est la même chose. Hop, hop. Donc, il y a deux fois la même chose. Et on redescend. Ici, c'est comme en haut. Hop, avec le petit cône à réinitialiser. On arrive là. Vous hésitez sur 1, sur 2. Je m'en fiche. Et là, deux chemins. Le premier qui est là. Vous pouvez sauter comme ça. Boum, boum. Vous sautez. Bam. Pas le droit de construire ici. Hein. Genre, si vous voulez passer par là, vous n'avez pas le droit de mettre des cônes pour pas tomber. Et donc, vous allez dire, ouais, mais tout le monde va passer par là. C'est beaucoup plus rapide. Ouais, sauf que le bémol, c'est que si vous voulez passer ici, vous êtes obligé de faire un saut parfait. Donc, en gros, vous devez sauter au dernier moment, c'est assez compliqué, ceux qui n'y arrivent pas à passer par là-bas. Et vous n'avez pas le droit de mettre un sol. Et si vous tombez, vous devez remonter et refaire le saut parfait ou passer par là. Genre, si vous tombez, vous n'avez pas le droit, hop, hop, tiens, je passe par là. Sinon, ça ne comptera pas, donc faites très attention. Hop, ici, c'est une descente, les gars, elle est vraiment pas longue. Hop, elle est genre 6 étages, je crois. Hop, on arrive là. Ici, c'est classique, normalement vous connaissez. Il y a des escaliers et des murs, voilà. Pareil, vous éditez comme vous voulez, vous éditez comme ça, hop, comme ça. Vous pouvez même faire comme ça, mince, comme ça, et hop, vous boost. Ce que vous voulez. On arrive là, on prend le pistolet. Et là, retenez bien, parce que ça va être un peu dur. Non, en vrai, ça va. Hop, pareil, on édite comme on veut. Et là, vous avez besoin de juste faire comme ça. Voilà, attendez. Parce qu'il va me tirer dessus. Donc, voilà, comme ça. Et hop, vous tirez. Sur les bots. Je vous remonte sans le bot parce qu'il y avait un bot du coup. Hop, on édite. L'escalier il est comme ça. Vous faites comme ça, boum, vous tirez. Vous pouvez aussi faire de l'autre côté évidemment. Mais vous êtes obligé de faire comme ça et boum. Vous pouvez aussi faire comme ça, genre comme ça. Si vous voulez, là c'est accepté. Vous tirez sur le bot. Non, en vrai, non, c'est pas accepté. Que comme ça obligatoirement. Ok, sur un côté les gars. Je vous remontre. On édite comme on veut. Un côté, on tire dans le bot. On réédite les deux. Ok? C'est pareil ici. Il y a 6 balles parce qu'il y a 6 bots, évidemment. Et la particularité, c'est que il faut mettre une balle dans la tête, sinon le bot ne meurt pas. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre dans la tête, hein. Mais si vous ne mettez pas dans la tête, vous devrez recharger votre arme, ça va être long. Donc voilà, je vous remontre, hop, hop, boum, on réédite, et voilà. Le deuxième, c'est pas pareil. Hop, il faudra prendre l'édit, réinitialiser et faire inverser. Hop, on réédite les deux. Je vous remontre, vous rééditez, vous éditez. Hop, hop. Parce que regardez, si c'est comme ça, vous pouvez pas tirer. Si c'est comme ça, vous pourrez pas. Donc, vous faites comme ça. On réédite. Ici, vous devez remettre normal, comme le début. Et voilà.
Faut juste, c'est comme l'épreuve du début, sauf qu'il faut la remettre en normal, voilà. On arrive ici, ça c'est une montée de cône, sauf qu'il y a des sols en plus. Elle est vraiment pas longue, donc si vous n'y arrivez pas, pas de problème. Et voilà. Donc voilà, montée de cône, vous connaissez. Ici, vous éditez comme ça, vous rééditez. En métal, vous le faites deux fois. Et en bois, encore une fois. Ici, vous passez de la fenêtre que vous voulez. Hop, ici, ça va être une quadruple édite. Donc, comme ça, regardez. Boum, 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 et boum. Ensuite, ici, on descend. Hop, très rapide. Ici, encore petite particularité de ma map. Il y a 4 blocs ici, de n'importe quoi. Vous passez où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'éditer, genre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout éditer, vous pouvez casser même, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. Tout est autorisé, sauf partir, évidemment. Hop, vous pouvez éditer tout ce que vous voulez, etc. Vous pouvez même casser, hop, vous pouvez même pas ne pas éditer, vous casser. Ce que vous voulez. Là, c'est Theorycraft pour voir où est-ce que c'est le chemin le plus rapide. Ensuite, ici, il y a une faille. Je vous dirai pas la technique de la faille. Vous pouvez la prendre par là, par là, par là, par derrière, par à droite. Faut la prendre, en tout cas, vous réfléchissez pour que vous arriviez en face de l'épreuve. Voilà. Et donc, comme ça, vous pourrez arriver directement. Vous prenez la carabine pour après, mais je l'ai mis là. Donc, la faille, comme je vous dis, vous la prenez dans le bon sens. Sinon, vous allez arriver contre le mur, etc. C'est casse-couille, donc... Faites bien Theorycraft. Ici, vous devez sauter comme ça. Bon, j'ai raté, évidemment. Vous connaissez de toute façon ça. Regardez, vous sautez. Et voilà, vous mettez un sol. Ok, il faut le faire 3 fois. Comme ça, les gars. Et encore une 3e fois. Voilà. Si jamais vous tombez. Et que ça peut arriver. Au lieu de faire ça, regardez. Parce que là, genre, vous tombez. Hop, pas le droit de faire ça. Ok. Vous cassez. Et vous le ressautez. À l'infini. Si vous n'y arrivez pas, bah tant pis. Et vous sautez à l'infini. Ensuite, les cônes ici, donc là, tout ce qui est en métal, vous touchez pas. La petite particularité, vous allez devoir contourner le cône comme ça, en l'éditant en même temps. Donc, le seul truc à pas éditer, c'est ici, et vous devez faire comme ça, en gros. Voilà. Et ensuite, vous lâchez. Bon, là, j'ai touché lui sans faire exprès. Et ça va casser. Ok? Je vous remontre. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Alors, vous faites juste comme ça. Et vous lâchez. Ça va se casser. Ensuite, ici. Vous allez devoir sauter ici, là, dans le trou. Sauf que vous allez devoir inverser. Comme ça. Donc, comme ça, quand vous allez sauter dans le trou, hop, vous inversez et vous tombez pas. Petite particularité, vous allez devoir le faire en l'air. Pas le droit de le faire avant, je vérifie bien. Dès que vous êtes en l'air, hop, je suis en l'air, je le fais. Bon, là, j'ai raté. Je vous remontre. Hop, vous sautez. Et voilà. On inverse. Donc, c'est comme ça. Et ben, on le met d'autre côté. Ici, pareil, comme tout à l'heure. Hop, on contourne. Et donc là, on refait. Dès que je suis en l'air, hop là. Vous pouvez commencer de sauter, pas obligé du métal. Vous pouvez sauter de là où vous voulez, mais vous êtes obligé d'être dit en l'air. Voilà. Ici, la carabine, ça a servi à ça. Vous tuez la tomate, mais attention, pas n'importe comment. Vous devez lui mettre un noscope, mais comme ça, regardez. Vous allez tout droit, et vous devez tourner par la droite. Comme ça. Et vous tirez. Vous allez voir que ça casse. Ça casse en un coup, voilà. Donc vous sautez, vous êtes là, hop, on tourne par la droite. Vous cassez en sautant un bonoscope. Ici on arrive là, juste comme ça. Ça c'est juste pour vous faire chier, il y a juste deux petits sols. Si vous le faites super vite, vous allez tomber rapidement. On arrive là. Ici ce que la plupart d'entre vous vont faire, c'est ça. Ça c'est logique. Parce que l'escalier, genre, il est pas là l'escalier. Il est un étage plus bas, donc les gens, ils vont faire comme ça. Vous pouvez le faire, sauf bémol. Ça ne va pas vous arriver au bon endroit. Donc voilà, vous pouvez descendre. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de descendre. Donc là, 90. Hop. On arrive là. C'est bientôt la fin. Il y a deux chemins. Soit ici, juste des sols. Hop, juste des sols. Ou soit le deuxième chemin. Juste là. Une triple édite. Comme ça. Ensuite, vous sautez. Il y a le timer juste là. Et aussi, pour les sols, ce que vous pouvez faire, regardez. Hop, quand vous allez édite. Pour gagner du temps, vous pouvez directement passer là, mais il faut éditer quand même le sol. Donc regardez, genre vous faites comme ça, vous passez là, hop, vous l'éditez en vous retournant, hop, vous arrivez là, boum, et vous déclenchez le timer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Regardez bien la map edit. Si jamais il y a un endroit que j'ai pas dit ce qu'il fallait faire et que vous ne savez pas, même si j'ai tout dit, il me semble, bah redites-le moi. Mais normalement c'est bon. Et donc voilà. Hashtag NSQ Tournament, ENDSKEW. Pas d'espace, tournament, TOURNAMENT. Donc voilà, vous marquez ça, vous marquez votre record, donc ce qui a marqué sur le timer,
Par exemple, regardez, je laisse un petit peu découler, boum boum, je fais la map, machin, machin, hop, j'ai fini la map. Et donc là, vous marquez 9,57, ok? Et donc celui qui a fait le plus grand, bah, ce sera le vainqueur. Je vous laisserai plein de temps, je ferai des vidéos réactions. Et voilà. Donc vous marquez 9,57, vous marquez pas 0, 2,03, vu que c'est le temps que vous avez fait 3 secondes, genre si vous faites ça, même si c'est impossible, mais c'est un exemple. Mais vous marquez 9,57, et donc voilà. Vous marquez hashtag NCUTournament avec votre temps, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite dédicace aux 3 abonnés qui étaient avec moi, même s'ils m'ont pas aidé du coup, vu que je leur avais pas mis les droits, etc. Mais voilà, juste petite dédicace à vous 3. Et voilà, il y aura un cash prize, on verra, je sais pas encore. Dites-moi des idées. Sur ce, les gars, allez, ciao!